Faut pas effacer votre prolétariat, là, par contre. Pas de quartier, pour les fascistes. Pas de quartier, pour les fascistes. Thank you.
Le 1er juin 1942, Maurice Papon est nommé secrétaire général de la préfecture de la Gironde, sous le gouvernement collabo de Vichy. Sous son commandement, 171 personnes sont déportées vers le camp de Drancy, en juillet 1942. Après la libération de Paris, de l'occupation nazie, le gouvernement du général de Gaulle entame une épuration des collabos. Mais Papon, ainsi qu'un grand nombre d'autres, dont les policiers qui chassaient les juifs sous Pétain, passent entre les mailles du filet avec la complicité des gaullistes et de la SFIO. Après cela, Papon garde une position importante dans l'administration. Lors de la guerre d'Algérie, il est préfet de police et instaure un couvre-feu pour les populations nord-africaines et organise le 17 octobre une répression sanglante à l'encontre des manifestants algériens. Plusieurs centaines sont assassinés par la police française. En parallèle, l'OAS, composée exclusivement de nostalgiques de Pétain, entame une campagne terroriste à l'encontre des militants du FLN et des militants anticolonialistes. Selon l'historien Rudolf Schirmel, le nombre des victimes de l'OAS s'élève à 12 500 personnes, en très grande majorité des civils. En réaction à la menace fasciste représentée par l'OAS, une manifestation pacifique est organisée le 8 février 1962. Bien qu'interdite, les camarades syndicalistes la maintiennent et subissent une répression barbare menée encore une fois par Papon qui fera 9 morts. Nous, militantes et militants antifascistes, n'oublions pas et ne pardonnons pas les crimes commis par l'État et les milices fascistes. Et c'est pour cela que nous disons non au fascisme et au colonialisme. De nos jours, l'État continue d'appliquer une politique clairement néocoloniale, raciste et islamophobe, comme le démontre le voyage de Hollande à Tunis, parrainant la nouvelle constitution avec le ton paternaliste de ceux qui veulent encore décider du sort des peuples de leurs anciennes colonies. Plus que jamais, il est vital de faire barrage à l'extrême droite et aux fachos. Ce ne sont pas les Hollande et les Valls qui expulsent les Roms, traquent les sans-papiers sur lesquels nous devons compter, mais sur la mobilisation. Non pas Salam ! On n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas.